Salut tout le monde, ça y est, on a dépassé les 1000 abonnés, ça fait vraiment plaisir. On est même à 1050, je crois, abonnés, donc c'est quand même ouf. Ça fait un an qu'avec la chaîne que je l'ai ouverte. Merci à tous de me suivre, de fois donner des appréciations, des conseils, de partager, etc. Vraiment, ça me fait vraiment plaisir. Puis il y en a qui, parmi vous, qui ont pu rejoindre mes projets, qui sont fans de cinéma, qui ont voulu être figurants ou acteurs. Donc, ça me fait plaisir de partager ça avec vous. Vraiment, c'est génial, merci beaucoup. Il y en a qui me demandent de faire une FAQ, mais bon, 1000 abonnés, je trouve que c'est un peu juste quand même pour faire une foire aux questions. J'attendrai genre 5000 abonnés, donc dans 5 ans. Je voulais un petit peu faire le point sur l'année, ça y est. Donc, j'ai sorti la série Easter Egg. On se demande si on va faire une deuxième saison, donc on est en train de voir ça. On verra en fonction de nos envies, en fonction de vos retours. Mais j'ai aussi d'autres projets en tête. Je vous avoue que j'ai trois autres idées comme ça de courts-métrages, enfin de séries courts-métrages en tête. Donc on verra ce qu'on fera pour l'année 2017-2018. Le film, donc il avance à grands pas, ça y est, ça fait plaisir. Il reste plus que 26 scènes à tourner sur 102. On a tourné 76. Donc ça, c'est franchement cool parce que 3 ans de projet, ça commence à être assez long. Merci encore parce que vraiment, toutes les fois, j'avais besoin de, je sais pas, de 20, 30 figurants qu'on faisait des appels comme ça sur YouTube, Facebook, Twitter. À chaque fois, il y a des gens qui se mobilisaient, qui venaient nous aider. Donc ça, c'est vraiment cool. Le film, voilà, je vous ai montré un extrait, je vous en montrerai un autre, pas tout de suite parce que je vais pas trop vous raconter l'histoire avant que ça sorte au cinéma, sinon ce serait un peu con. Mais voilà, je vous montrerai peut-être un deuxième extrait d'ici 2-3 mois, puis ainsi de suite jusqu'à la sortie en salle. Le roman, ça y est, il est fini. Il est en train de se faire corriger par 6 personnes. Et je vous en parlerai dans une autre vidéo. Le roman, franchement, Nemesis, c'est le roman le plus abouti que j'ai fait, quoi. J'ai hâte de vous montrer parce que j'ai commencé en 2012 à l'écrire, mais l'histoire, j'ai commencé à la concevoir en 2011. J'étais encore à la fac. Donc ça fait 6 ans quand même que je travaille sur ce projet-là, que ce soit le roman ou le film, en tout. Et vraiment, ça fait plaisir là de me dire, tiens, bientôt, je pourrais lire l'histoire ou la voir en film et me dire, bah tiens, ce que vous en avez pensé, voir si ça vous fait kiffer comme moi, ça m'avait vraiment fait plaisir de concevoir, écrire, réaliser cette histoire. Voilà, donc je voulais vous tenir un petit peu au courant de tout ça. 2017-2018, Nemesis en film, j'espère. Un nouveau projet de web-série, donc peut-être Easter Egg saison 2, peut-être un autre projet. Et là, je commence mon prochain roman. Enfin, j'hésite entre deux romans. Je vais faire peut-être un sondage. J'hésite soit entre Nemesis 2, soit entre un autre roman psychologique. C'est vrai que les romans qui ont beaucoup plu, c'est Tentation et Pulsion, qui sont deux romans psychologiques. Et j'ai une troisième idée de ce type de roman. Donc j'hésite entre pour le prochain roman après Nemesis, si ça va être Nemesis 2 ou ce roman psychologique. Je ferai peut-être un sondage sur mon site, par contre, internet. On verra les retours. Allez, à bientôt. Et n'oubliez pas, abonnez-vous, parlez de tout ça à plein de gens autour de vous. À chaque fois, ça m'aide. Et puis franchement, quoi. Tout ce travail-là, c'est vrai que c'est très prenant, c'est génial, mais c'est parfois épuisant. Mais chaque fois qu'il y a quelqu'un qui dit c'est chouette, qui fait des compliments dessus, qui met un petit pouce bleu, etc., qui s'abonne, franchement, on se dit, bah tiens, je fais tout ça, mais ça sert, quoi. Ça fait plaisir derrière, ça fait plaisir aux gens. Allez, à bientôt!